Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc toujours dans la maison en rénovation. Comme vous avez pu le voir à l'instant, j'ai réalisé le plan chez moi à la maison. Donc c'est un plan que j'ai fait à la main, parce qu'après niveau logiciel je suis vraiment pas au top là dessus donc je le fais à la main. Il y a des youtubeurs qui sont vraiment calés là-dessus. Je pense à Béton Hier et Demain, qui réalise des plans en 3D et pas mal de choses vraiment sympas. Mais du coup, oui, moi, j'ai tout fait à la main, puisque niveau logiciel, comme je vous disais, c'est pas ça. Donc après, il faut faire le plan. J'ai utilisé un kutch. Donc si vous ne connaissez pas le principe du kutch, c'est une règle avec différentes échelles dessus. Là, l'échelle 1/25, 1/20, 1/50, 1/125, 1/100, 1/75. Donc après, moi, le plan est fait à l'échelle 1/25. Après, il suffit de prendre ces cotes qu'on a en réalité en mètres et on les reporte là. Donc là, par exemple, si on reprend mon croquis que j'avais fait, donc là j'ai 2,40 m ici. Donc 2,40 m, c'est du mur. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a bien 2,40 m. Donc après, ça permet de remesurer à différents endroits avec la bonne échelle et d'avoir les dimensions qu'il faut. Donc tout ça pour vous dire que ça m'a permis de réaliser un premier plan. Donc sur le premier plan, c'est un peu l'idée du croquis que je vous avais fait la semaine passée. Sauf que là, il est vraiment réalisé aux côtes. Donc après, je trouverai une chambre qui sera ici de 10,60 m. Une autre avec cette fenêtre, donc ici, de 8,20 m. Et donc la salle de bain de 4,20 m. Et le petit couloir ou dégagement de 3,60 m. Donc ça, c'est la partie d'ici. Donc après, c'est vraiment un premier plan, puisque à voir après. Donc là, j'ai bien ajouté l'épaisseur de mon isolation que je vais mettre en pourtour. Ici, c'est la fenêtre. La même chose là. Mais du coup, oui, c'est vraiment un premier plan, puisque j'étais en train de me dire, est-ce qu'il valait pas le coup que je rétrécisse un petit peu cette chambre pour agrandir un peu celle-ci. Ça permettrait d'avoir deux chambres d'au moins 9 m², puisque là, on ne peut pas la considérer en tant que chambre. Donc, à voir après. C'est vraiment quand j'aurai fait mes cloisons en pourtour que je vais tracer ensuite au sol, que je vais vraiment me rendre compte si je peux rétrécir un petit peu celle-ci pour agrandir celle-là. Donc après, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, maintenant qu'on a vu la partie plan, on va continuer la partie travaux. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer à isoler au niveau du plancher.
Donc je vais en profiter en même temps pour retirer tout ce qui reste, les petits morceaux de bois là, celui-là, celui-là, enlever ça, les petits bouts de plâtre qui restent, et en même temps mettre mon isolant entre les solives. Donc l'isolant que je vais utiliser, c'est celui-ci. Donc c'est la laine de roche en panneau compact. Donc après en épaisseur, elle fait 13 cm d'épaisseur. Donc l'idée, c'est de couper des morceaux pour les couler entre les solives. Donc après, c'est vraiment pour isoler cette pièce-là au-dessus, parce que au-dessus, c'est un grenier. Et il y a des chances qu'il sera isolé par la suite. Mais il sera isolé, mais peut-être pas chauffé. Parce que pour l'instant, c'est un grenier. Après, je sais pas, au fur et à mesure des travaux, peut-être que ça sera une pièce à voir. Mais du coup, on va isoler tout ce qui est entre les solives. Ça va être pas mal niveau acoustique aussi. Donc après, voilà, isoler ça, enlever tout ce qui gêne, tout ce qui traîne. Donc après, pour couper ces panneaux, comme je vous disais, c'est de la compacte. Je vais utiliser ma scie sabre. Donc avec une vieille lame à bois. Il faut juste qu'elle ait un peu dedans, quoi. Après, je coupe des bandes. Je les enfile entre les solives. Et ça sera pas mal. Donc je vais vraiment commencer aujourd'hui. Déjà voir comment ça se fait. Puisque je pense pas que je vais avoir le temps de tout faire. Donc je récupère les outils et c'est parti. Ah si, j'avais oublié de vous dire. La semaine dernière, je vous avais parlé du degré des angles qu'il fallait que je prenne. J'avais pas l'outil pour mesurer ça. Et du coup, je l'ai récupéré. Je suis venu le faire cette semaine. Voilà. Afin de pouvoir faire le plan. Mais sinon, je l'ai récupéré. Donc en fait, c'est ça. Donc c'est une fausse équerre. Hop. On la déplie. Après, voilà, on poque ça contre les deux murs, on regarde la petite flèche et ça permet de donner le degré. C'est assez pratique, sachant que celui-là en plus il peut servir de grand compas, puisque si on met la petite pointe dans le bout ici et le crayon qui est à l'intérieur dans ce bout là, ça permet de servir de grand compas. Sinon voilà pour la prise de mesure des angles. Allez, place au travail. Thank you.
Voilà, pour le début d'isolation du plafond. Donc comme vous avez pu le voir, je coupe les panneaux à dimension, je les enfile, je mets des pointes sur les côtés qui vont dans les solives afin de tenir les panneaux en haut. Donc après, tout ce qui est petit jour ici en jonction, je boucherai ça en mousse expansive. Il me reste les coupes à faire au bout. Mais pour cela, j'attends d'avoir des chutes. Parce que moi, je vais arrêter là aujourd'hui. Il commence à faire tout noir. Donc après, voilà pour aujourd'hui. Donc, la petite mise au point sur le plan presque final de toute cette partie-là. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des travaux. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, si tu veux voir la suite. Sinon, bonne semaine à tous, à la semaine prochaine. Allez, salut !